Bonjour et merci. Alors, vous avez bien dormi. Comment est-ce que vous avez dormi? Il est 6h00. Dans certains pays, il est 7h. Je demande la grâce pour pouvoir vous passer ce message. Je reçois les paroles appropriées, que je parle sans être interrompue ni distraite. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en pleine éclosion. Voilà, vous êtes en éclosion. Et votre problème, je dirais, c'est dans votre entourage. Il y a des gens autour de vous qui pensent que... Il y a des gens qui vous font penser, voilà. Que, voilà, comme tu as une bonne situation, tu as une voiture, tu es marié, tu as les enfants, tu ne devrais pas chercher plus que ça. Tu as... un peu comme si tu as 15 de moyenne. Quelqu'un a 7 ou 8. Alors qu'il espérait, il avait étudié pour avoir 4 de moyenne. Il s'est retrouvé en train d'avoir 8. Et il voit, toi, tu as 15. Il se plaint. Et tu te plains pourquoi? Il faut être satisfait de tes 15 que tu as eu. Moi, j'ai 8. La personne ne connaît pas que... Toi, tu as demandé... Tu as étudié pour 19 de moyenne ou 20 de moyenne. Tu as prié, Seigneur, donne-moi 20 de moyenne. Tu as le coup de répétition tard la nuit. Quand tout le monde dormait, tu ne dormais pas. Alors que lui dormait. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous êtes des enfants qui peuvent avoir, hommes et femmes, à 19 de moyenne. Mais vous êtes entourés par des gens qui sont... sur 4-8 de moyenne. Vos gars là, vos soeurs, vos cousines, vos meilleurs amis là, les gens à qui vous vous confiez tous les jours. Voilà, on va acheter la maison de 200 000 euros. Hé, hey, maman, moi je suis en location depuis 20 ans. Tu es bien, hein, tu vas acheter la maison. Hé. Hey. Il te faut les amis qui vont rester te dire. J'ai acheté ma troisième maison de 500 000 euros. Oui. Mais toi, tu devrais déjà... 200 000 euros, c'est petit. Allez, prends encore une autre maison. Ton entourage peut tuer ta vie. Tu ne sais même pas. Ton entourage peut tuer ta vie. Voilà, c'est dimanche. 6h, tout le monde dort. Non, on se réveille à 9h le dimanche. C'est quand même le dimanche, non. On ne sait pas que toi, tu es depuis 4h30. Tu as déjà prié. Tu as déjà prié. Tu as déjà... Mince. À 6h, là, tu as déjà fait beaucoup de choses. Tu as déjà écrit 4-5 clients. Tu as déjà commencé à pointer. Tu as écrit à 4-5 clients. On a déjà dit qu'on va te faire un paiement de 500 euros dans la journée. Pendant que certaines personnes sont en train de dormir, c'est les 10 heures qu'ils vont un peu checker leur téléphone pour voir. Écoutez, ne vous mélangez pas avec les gens. Vos rêves. Tu as vu que tu veux que tes enfants partent dans les grandes écoles. Tout le monde peut dire je veux la Bentley. Tout le monde peut dire je veux la Bentley. C'est facile à dire. Toi-même, tu peux dire Bentley, non? Prononcer Bentley, est-ce que c'est difficile? Va voir le boutiquier du quartier. Il peut prononcer le mot Bentley. Tu dis Lamborghini, il va dire Lamborghini, il va dire. Tout le monde peut prononcer le mot là. Mais ce n'est pas tout le monde qui saura ce qu'il faut faire pour arriver là-bas.
vous serez déçu que beaucoup des personnes qui vous entourent actuellement ne sont pas prêtes à payer le prix pour monter. Beaucoup ne sont pas prêtes à payer le prix pour monter. Toi, tu te retrouves, tu es la seule personne. Partagez ma vidéo si ça vous plaît. Et laissez des likes aussi. Baby, calm down. Calm down. Fall up down. Fall up down. Bon, les numéros sont là. Le 680 237 plus 237 680 71 07 01 680 71 07 01 Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Le 00237 693 50 22 66. Ce qui vous dérange, ce qui vous tue, et vous ne savez même pas. Vous êtes à côté des personnes que votre vie, votre mode de vie que vous avez actuellement, c'est leur vie de rêve. Et ils ne savent même pas que tu n'as même pas encore commencé. Il dit que le coq est samba, il aime trop ça. Je vais le nommer encore, on va lui donner le nom. En tout cas, il fait son travail. Je me plains pas de lui parce qu'il est au pointage. C'est ta vision qui va déterminer l'heure à laquelle tu te réveilles. Il y a les lives que je fais souvent ici, vous me dites que je suis fatigué. Ah, tu es fatigué, hein? Tu es fatigué. C'est ma vision qui va déterminer si le sommeil va avoir l'emprise sur moi ou pas. Quand tu connais ce que tu veux et là où tu vas, tu ne peux pas dire que dans tout un pays, je suis sûr qu'au Cameroun, on peut compter le nombre de personnes qui ont les Lamborghini ou qui peuvent s'acheter les Lamborghini. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Hier, je voulais acheter quelque chose. On est sorti au quartier ici à 9h52. Aucun magasin n'était ouvert. J'ai dit, mince. Parce que quand un Gabonais fait son business, c'est pas l'argent qui le contrôle. Le Gabonais, vraiment, ils sont spéciaux. Mais vous connaissez que les Somaliens, les Maliens, les gens sont là. Si on a dit que vous pouvez ouvrir à 6h00, 5h59, tu vas voir sa main sur le cadenas parce qu'il veut déjà ouvrir. Vous les voyez dans les pays ici, là, comme ça. Ils sont au magasin tous les jours. Et vous avez remarqué que ces personnes-là travaillent nuit et jour. Il y a un endroit qui. Anna Lord, tu es gabonaise. Non, la paresse qu'elle est gabonaise, c'est quelque chose qui est légendaire. Il y a un endroit où il fait le shawarma. C'est juste en face de la maison ici. Le monsieur là doit être turc ou libanais. Donc libanais je pense parce qu'il parle le français. La majorité des turcs, anglais encore ça va. Le monsieur là est dans son magasin. Il fait les shawarma dimanche à 23h. Tu passes là-bas le lendemain à 7h. Tu le vois, il est dans le truc. Papa, tu dois à quelle heure? L'homme là, je suis sûr que si tu pars dans son pays, tu vois les maisons qu'il a construites. C'est la vision ou l'objectif que tu as
qui va faire que quand tout le monde dit, oh, moi je rentre à 17h, tu restes, tu pousses. Dans mon entreprise, j'ai deux personnes qui m'ont marqué dans ce sens-là. Le premier, quand il est arrivé, la première semaine, déjà quand il est arrivé, je pouvais tout, presque toutes les fonctions de mon entreprise. Un jour, je l'entends, il dit à quelqu'un que mais, ma patronne m'a déjà gagné. Tu quittes du boulot ici à 22h, tu crois que tu as tué, tu la laisses. C'est à 22h qu'elle commence le direct. Tu arrives ici à 6h37, tu la trouves qu'elle a déjà commencé le direct et qu'elle est déjà au bureau. Il dit que mais elle doit à quelle heure? Et tu viens le matin, tu trouves qu'elle a déposé les colis au sol, qu'on doit partir avec le matin. Elle a fait les colis à quelle heure? Dans la nuit. Il dit que tu es au Gabon et même le vendredi c'est compliqué vu que c'est le jour de mosquée. Maman, j'ai dit que quand tu es au Gabon, tu dois avoir toutes tes choses à la maison. Si tu peux avoir même ton champ où tu cultives ta nourriture chez toi, vraiment c'est bon. Là, on est dimanche, je ne sais même pas à quelle heure ils vont ouvrir. Tu vas voir les Gabonais, tu vas te se plaindre que ça ne marche pas, la pauvreté. J'ai plein de messages sur WhatsApp, ça douce. Vous devez comprendre que si vous agissez comme tout le monde, ouais, je pars au boulot à 8h. Ouais, je commence mon shift à 8h45. Oh, il est 16h45, je vais finir bientôt. Dès que tu finis, oh, je vais faire mes courses. Après, je vais regarder un film, je vais dormir. Ma chérie, t'inquiète pas. C'est le salaire que ton patron te donne là, que tu auras toute ta vie. Tu n'auras rien d'autre. Rien. Ça, ne te trompe même pas. Ne te voile pas les yeux. C'est le salaire là. Des 1500 euros là, c'est ça que tu auras. Ni plus, ni moins. Tu rencontres un homme qui est ingénieur, supposons. Il touche dans les 3500 euros, 4000 euros. Tes copines te disent, waouh, tu as touché le jackpot. Waouh! 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 Alors que toi, tu lis beaucoup de livres, tu écoutes des livres audio, tu as des objectifs et tu ne te vois pas seulement dans 4000 euros. Dans 5 ans, 7 ans, 10 ans. Par contre, cet ingénieur avec lequel on veut que tu te mettes, lui, il ne vise pas loin. Parce que dit qu'on vise loin, c'est trop simple. Prouve-moi avec les actes. Quand tu vois quelqu'un qui sera riche, la personne travaille sur sa richesse. La personne travaille, tu vas le voir, il va te dire, j'ai fini au boulot, voilà. Maintenant, le soir, à 19h, il commence à bosser encore. 19h jusqu'à minuit. Chérie, tu vois, voilà le projet qui est en train d'avancer. Il y a l'immeuble du pays qu'on veut construire là. Ceux qui seront riches, vous allez voir que ils ont déjà commencé à investir à 2-3 endroits. Il a mis de l'argent de côté. Il a accumulé même 6 mois d'économie comme ça. Il a dit, voilà, j'ai lancé un petit restaurant là-bas au pays. Ou bien j'ai acheté des parts dans un restaurant ici. J'ai pris 8000 euros, je suis allé prendre le crédit à la banque. On m'a donné même, je crois, peut-être 40 000 euros. Je ne sais pas, en fonction des pourcentages. Allez, 40 000 euros, là, j'ai acheté des parts dans un kebab là-bas, dans un fast-food. Il t'amène là-bas, il dit que j'ai la moitié de ce restaurant. Quelqu'un qui sera riche, c'est quelqu'un que tu vas voir avec les actes. Il va agir différemment. Faites attention parce que vous allez vous connecter à certaines personnes. Et c'est parfois les amis qui doivent quitter votre vie.
Vous avez des amis qui savent que vous serez riche. Ah, je sais que Jocelyne va réussir. Chaque jour, la personne veut t'appeler pour prendre tes idées, pour mélanger ses idées avec ta part. Mes idées, c'est ma mine d'or. C'est ma mine d'or. J'ai travaillé dur pour mes idées. Tu sais combien de temps j'ai pris pour développer mon mindset? Tu vas venir comme ça, chaque moment, tu prends le téléphone. Oui, bonjour, je voulais seulement te saluer. Ah, tu sais. Donc voilà, tu encourages la personne. Ouais, ouais, est-ce que tu sais que tu peux faire ça? Tiens le coup. Tu peux même partir comme ça, là, tu crées ça, non? Tu peux même vendre ça, non? Tu peux même faire comme ça, non? Tu peux même faire comme ça, non? Puis après, tu vas développer l'entreprise. Maintenant, tu vas ouvrir même dans 5 pays. Après, tu vas voyager, tu vas aller en Europe acheter ta marchandise. Tu es en train de donner les idées à la personne. Les idées là, c'est l'argent. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver et bienvenue. Arrête de vouloir te sentir bien, que les gens t'aiment. Oh, elle m'aime. Et elle pense qu'elle est gentille. Et non, elle utilise ton énergie. Elles utilisent ton énergie. Quelqu'un te dit que la nuit, tu passes toute la nuit sur pour faire les recherches sur Google pour elle. Même vos maris sur vos énergies comme ça. Hé, hey, bébé, j'ai tel projet. Te voilà en ligne. Tu fais les recherches. Ta, 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 ta. Tu lis. Ta, 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 ta. Tu lis. Hey. C'est facile de dire que je pars là où tu pars. C'est facile de dire. Ah, tu vas voir les Mercedes. Oh, tu vas voir les immeubles. Mais moi aussi, chérie. Mais moi aussi. Hey, chérie. Mais moi aussi. C'est là-bas que tu pars. Je partais là-bas aussi. Mais c'est là-bas que je pars. Premier signe. Regardez leurs œufs ou leurs fruits. Jésus a dit que vous les reconnaîtrez avec leurs fruits. Quels sont les fruits que la personne a? La personne a déjà fait quoi? Tu peux me rencontrer dans une phase de ma vie où j'ai chuté. Peut-être tout l'argent que j'avais investi quelque part, on a pris. Mais tu vas me voir moi me lever le matin. Allez, on attaque une nouvelle journée. Ok. Bon. D'accord, je dois faire ça. Je vais aller regarder. Je dois faire telle formation pour le Bitcoin en ligne. Je dois faire tel truc. Ok. La personne se lève tôt. La personne va peut-être faire du sport, du yoga, je ne sais pas trop quoi. Focus. Après, faire de la lecture. On ne tombe jamais totalement. Hein. Chaque personne doit toujours avoir au moins un ou deux trucs. Parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans un nez. On n'investit pas dans un seul truc. Mais c'est ça, non? Donner les idées des gens, des business aux gens. Tu dois toujours avoir le business qui te donne 5 000 par jour. L'autre qui te donne 2 000 par jour. L'autre qui te donne 50 000 par jour. Pendant que tu travailles sur cela, tu cotises l'argent maintenant pour faire ce qui va te donner 200 000 par jour. Dans un domaine différent. Ce qui fait que le tout ne peut pas tomber une fois. Si pour 50 000 tombe, tu sais que tu as encore pour 5 000, 2 000, pour payer le carburant, la nourriture de la maman à la maison, les enfants, pour aller à l'école, les enfants, l'argent des beignets.
pour ce qui donne 200 000 par jour. Tu laisses, tu prends du temps, tu mets ça sur pied. La destination de la personne que tu dis que tu veux te mettre avec lui là, ça se reconnaît par ses actes. Voyez un peu ça comme la course. Tu rencontres quelqu'un, il est en train de faire son jogging. Toi, tu es en train de faire ton jogging. Il est peut-être à 10 km à l'heure. Toi, tu es à 40 km à l'heure. Il te dit, ben, vous avez le même temps qui reste. Moi, je pars à Libreville, j'arrive, je pars à Libreville. Ma destination, c'est Libreville. Il y a les Lamborghini là-bas, il y a les immeubles, il y a l'argent. Toi qui es à 40 km à l'heure, je dis, moi aussi, je pars à Libreville. Ah, c'est une vidéo. Écoutez, quand toi aussi tu pars à Libreville, moi je dis que je pars à Libreville. C'est pas parce qu'on part tous les deux à Libreville qu'on va se mettre ensemble. Ok, mais attache ta voiture sur ma part, on parle. Non. Toi qui as 40 km à l'heure là, 10 km à l'heure va te ralentir. Moi je parle beaucoup en parabole. Hein. Je parle beaucoup en parabole. Et les signes sont visibles au début. Tu regardes la personne, tu vois sa façon de faire. Toi, tu prends un truc, tac, tac. 9h, tu as déjà mis 5 choses au supplé. C'est à 10h que la personne dit, bon, voyons comment on va attaquer la journée. Ah. Il faut encore faire quoi là? Tu vas être frustré. Il y a des livres que j'ai lus qui m'ont fait comprendre qu'il y a des habitudes qui sont irrévocables. Il y a Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. Les 7 habitudes des personnes effectives ou bien qui ont du succès. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez comprendre que ces habitudes-là sont des choses que tu ne peux que les développer si tu veux réussir. Tes 24 heures, tu dois les diviser. Tu dois fonctionner sur la production. Je peux passer une heure de temps à pointer 1000 euros. Quelqu'un passe 20 jours à pointer 1000 euros. La différence entre nous deux, c'est quoi? Ce que je connais que la personne ne connaît pas. Ce que je connais que je peux faire et que je fais. Parce que l'argent ne vient pas avec les désirs, ça vient avec les actions. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous êtes encore en arrière. Hey, ma chérie, tu as un salaire de 550 000 le mois. Waouh, tu es bien. Bon, maintenant que tu as ton salaire, ça va. Mais ne cherche plus trop loin. Tu veux encore quoi? Maintenant, achète ta petite voiture. Une petite voiture comme ça. Voilà. Tu vois les gens de stalette que souvent tu peux mettre tes pieds dehors, tu pousses avec le pied là, non? Oui. Petite voiture. La personne ne sait pas que dans tes prières. Dans tes prières, oh là là, oh Seigneur, je reçois ma BMW, je reçois mon 4x4, je reçois. Pourquoi tu vas laisser la personne là, limitée par sa vision d'elle-même? Pourquoi tu vas laisser que cette personne vienne te limiter toi? Vous savez ce qui se passe quand vous payez un coach? Le coach part à l'intérieur de toi. Il prend tes choses que tu désires, les choses les plus cachées en toi. Il t'aide avec. Il t'aide à les mettre, à les sortir de là et à les comprendre.
Vous devez vous mettre en contact et vous rapprocher des personnes qui vont vous faire croire que c'est possible. Voilà Sandy qui dit, comme lorsque tu veux quitter un boulot, les autres essaient toujours de te persuader de rester. Pourtant, ta vision est autre. Effectivement. Et il y a des choses que tant que tu ne fais pas, Dieu ne va pas te montrer la prochaine étape. Moi, c'est en 2016 que j'ai arrêté le travail pour quelqu'un. Je vous parle toujours du dernier boulot que j'avais fait dans la maison de repos. On m'avait griffé toute la nuit là. Je suis sorti et dit que je ne, c'est bon. J'ai fini avec le boulot de soignant. J'ai fini avec ça. Je ne fais plus. J'ai des amis que jusqu'aujourd'hui font ça. Jusqu'aujourd'hui, 6 ans plus tard, ils font toujours ça. Et on sait tous la limite du salaire des aides-soignants. On connaît. Il y a un certain quota de salaire que tu ne peux jamais dépasser. Bonjour Bertrand. Bonjour Bertrand, je te bénis. Il y a un quota de salaire que tu ne peux pas dépasser. Yolande Fabiola, je ne lis pas les commentaires, je vais même d'abord te bloquer. Tu as compris ma chère. Je pense que tu n'as pas besoin de moi. Quand je viens me mettre pour le direct, ça veut dire que j'ai un message à vous passer. Je ne suis pas venu ici là pour faire la causerie. C'est que vous aimez ça. Vous aimez venir dans les conversations, vous n'avez rien à faire. Les gens aussi qui font le direct n'ont rien à faire. Elle va ton commentaire. Elle fait, oh, tu as de beaux cheveux. Oh, merci. Après, regarde. Oh, tu as acheté tes boucles d'oreilles où? Oh, j'ai acheté ça. Je ne suis pas dans les conversations vides. Je ne suis pas moi dedans. Donc, si c'est ça que vous cherchez, vous allez partir ailleurs. Pense qu'il y a plus important. Et vous avez besoin de vous discipliner. Vous avez besoin de vous discipliner. La vision que tu avais. Tu es là, tu dors sur le même lit que ton enfant. Ça ne te dit rien. Va l'enfant à côté de toi. C'est chaud ma chérie, tu ne peux pas continuer avec ton petit salaire de 60 000. Il faut que tu bouges quelque chose dans ta vie. Tu n'arrives pas à joindre tes deux bouts. Fin de mois, ça ne va pas. À la fin du mois, tu ne t'en sors pas. Ça veut dire que tu es bloqué quelque part. Et l'esprit vous montre toujours comment sortir de ce blocage. Seulement, vous n'écoutez pas. Nicole Fondjo, mes numéros sont sur le direct. Et sur la page. Tu dois agir intelligemment. Les 900 euros qu'on te donne chaque mois, ils savent que ce n'est pas assez. On te donne 900 euros, tu as l'enfant. Le loyer déjà prend 400 euros. Tu as fait quoi avec 500 euros le mois, ma chérie? Il faut manger, il faut se vêtir. En fait, on te donne juste le strict minimum. Pour que tu ne meurs pas, pour qu'on ne dise pas que tu es mort. Ça ne vous met pas la puce à l'oreille. Et certains d'entre vous, vous avez peur de lancer vos activités totalement. Oh, je veux pas que. Parce que la CAF me donne l'argent. Je veux pas qu'ils voient dans mon compte que je vends les choses. Ma chérie, le petit 1000 euros qu'ils te donnent là, c'est ça qui te fait que tu ne penses pas. Si tu vends les gaines, 100 euros la gaine, est-ce que tu sais qu'il te faut forcément vendre 10 gaines par mois? Bon, supposons que tu as acheté la gaine à 20 euros en ligne. Tu vends à 100 euros. Donc, tu te retrouves avec transport et tout ça. Donc, ça te prend 25 à 30 euros.
Donc, par gain, tu profites 70 euros. Et tu sais que si tu postes bien, tu apprends à faire de belles vidéos. Après, à faire de belles vidéos marrantes, tu introduis tes produits dedans. Par jour, tu peux vendre au moins 2 gains. Ça veut dire que tu te retrouves chaque jour, tu as fait 140 euros. Tu te fais 200 euros, mais 30, 60 euros partent pour les produits. Donc, tu te fais 140 euros par jour. Ça veut dire qu'en 10 jours, tu es déjà à 1400 euros. Tu as peur de te lancer? Parce que tu veux le confort. Vous ne savez pas que les gens qui sont, les entrepreneurs qui sont en train de changer leur vie et la vie des autres personnes, ont pris un risque à un moment. Votre problème, c'est que vous n'aimez pas. Tu ne peux pas avoir le confort et l'argent. Là, c'est avoir le beurre et l'argent du beurre. Un doit quitter. Tu as dit, pendant une période, je me suis lancée. J'ai pris toutes mes économies. J'avais 2000 euros d'économie, j'ai pris tout. Et les trois prochains mois, chaque fois que je recevais un peu de sous, je réinvestissais la moitié. Il y a l'histoire de cette dame qui s'appelle Lisa Nichols. Lisa Nichols. Lisa Nichols, c'est une femme qui a... Elle s'est mariée à 53 ans, je pense. Elle est devenue l'une des femmes les plus riches des États-Unis, noire américaine. Il y a une partie de son histoire qui m'a beaucoup plu. Quand elle était enceinte de 7 mois, le père de son enfant est parti en prison à perpétuité. Donc, elle savait que son fils n'allait connaître son père qu'à travers les barreaux de la prison, en quelque sorte. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Elle a un peu galéré. Quand l'enfant avait 5 ans, elle a commencé à se décider que je suis fatiguée de ce boulot de secrétaire où ça ne va pas comme ça. Je veux créer un futur pour moi et mon fils. Pendant 3 ans, elle est quittée de l'appartement de 3 chambres qu'elle avait. Elle est partie dans une chambre. Son colocataire fumait le truc là. Le truc, les herbes que les gens fumaient. Elle dit que souvent la nuit, quand elle devait bosser, elle prenait la serviette, elle mettait en bas de la porte pour que la fumée n'entre pas dans sa chambre. Ça a tout fait son fils. Pendant 3 ans, l'argent de ses mèches, elle faisait plus ses cheveux. L'argent des ongles, l'argent du make-up, l'argent des habits. Même le McDo, elle ne partait pas au McDo avec l'enfant. Chaque semaine, dès qu'elle avait un peu d'argent, elle économisait seulement. Un peu d'argent, elle économise. Un peu d'argent, elle économise. Elle a fait ça pendant 3 années. Et pendant les 3 années là aussi, elle se documentait, elle lisait, elle partait souvent à des séminaires. Après 3 ans, elle dit ok, il faut que j'avoue combien j'ai dans mon compte d'épargne. C'est pour lancer ma boîte. Elle demande le solde de son compte. On lui dit, madame, vous avez 63 000 dollars. Elle faisait un petit boulot. Hein. C'est pas qu'elle était ingénieure ou bien architecte ou bien. Non, 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 non. Elle avait un petit boulot. Elle avait économisé en 3 ans 63 000 dollars. Elle n'a pas eu besoin maintenant que quelqu'un vienne encore lui donner. Quand tu as déjà 63 000 dollars, en termes de millions de francs CFA, ça c'est combien même? Calculez, vous me dites. Imagine, tu as ton petit boulot où tu es. On peut même dire quoi? Parce que vous serez surpris de savoir votre pouvoir d'attraction. Tu es aide-soignante. Pendant 3 ans, tu économises les sous. Donc tu ne fais presque rien. Pas d'ongles, pas de make-up, pas de McDo. En 3 ans, tu te retrouves avec 60 000 euros. 60 000 euros. Elle a eu le fonds de commerce pour lancer sa boîte de coaching. Aujourd'hui, elle a des best-sellers qu'elle a écrits. Aujourd'hui, elle fait des conférences à travers le monde.
Et elle a acheté un immeuble au World Trade Center. Vous voyez l'endroit où il y avait les tours jumelles là. World Trade Center. Elle a carrément tout un immeuble là-bas. Parce que l'argent te donne de la puissance. Money gives you leverage. Leverage, c'est-à-dire, l'argent te donne les possibilités. L'argent te donne les possibilités. Et beaucoup d'entre vous manquez de possibilités. Parce que vous êtes seulement bloqué que je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Pendant ces 3 ans, elle a développé la capacité de ne pas dépenser seulement pour dépenser. Vous croyez qu'après là, elle a passé son temps au McDo seulement pour dépenser l'argent là? Elle a appris à acheter ce qui était essentiel. Et c'est des choses que vous achetez souvent. C'est-à-dire, il y en a parmi vous qui, si on te dit que on t'achète les habits, ou bien on te donne l'argent, tu économises. La personne va dire que je veux les habits. On t'achète les habits, ou bien on te donne une part dans cette entreprise. La personne va dire je veux les habits. Il fait quoi avec les pas? Il fait quoi avec les pas? Donc vous devez être très sage. Soyez très sage. Le monde est en train de changer. Les gens sont en train de se rendre millionnaires. Donc quelqu'un reste comme ça. Il fait le calcul, le plan. Il économise ici. Il peut investir là-bas. Il prend ce qu'il a eu là-bas. Il ouvre quelque chose de physique. Et apprenez à jongler l'argent comme ça là. Pas que tu es dans la crypto, tu restes que dans la crypto, crypto, crypto. Tout ton argent reste que dedans. Si tu fais un bénéfice là-bas, prends, tu peux investir. Va même investir dans un restaurant. Tu vois un de tes amis qui a une chaîne de restaurant. Tu te demandes. Tu te demandes. Je veux investir, je veux booster ton business. Ça te dit, je mets l'argent dedans parce que je vois que ça marche. Maintenant, si tu achètes des appareils qui sont plus costauds que ça, au lieu de fabriquer 5 par jour, tu fabriques maintenant 15. Et le bénéfice de ça, lorsqu'on ne plante pas les graines, on ne peut pas bénéficier des fruits qu'elle peut nous donner. Ça, c'est exact, Cornelia. Merci. Et je vous dis encore que ce n'est pas votre entourage qui va déterminer votre réussite. Il y a des mamans parmi vous. Et c'est que vous vous cachez encore pour l'instant. Vous avez développé votre business à partir de rien. Aujourd'hui, tu tournes dans une certaine somme d'argent. User, tu dis que la personne ne t'a jamais donné ton argent jusqu'à te bloquer. Si tu es parti aussi investir n'importe comment, parce que quand la personne met son argent, vous devez vous attendre sur les clauses. Vous signez un contrat. Parce qu'au début des collaborations, tout le monde est au content. Surtout quand c'est ton argent qui sort de ta poche. Ah, tu veux investir chez moi? Oh, viens. Tu disais que tu es mon quota, non? Tu es ma meilleure personne. Dès que l'argent touche sa main là, oh, l'argent révèle le caractère des gens. L'argent révèle le caractère des gens. Oh. Oh là là. Il y a même des amitiés que je ne veux jamais qu'on parle d'argent dans l'amitié là. Jamais. Ne parlons jamais d'argent. Et il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses, vous ne savez même pas. La personne là qui te regarde est jalouse. Pourquoi son argent entre tous les mois? Pourquoi il fait les vidéos, les gens lui donnent les offrandes? Pourquoi? Écoutez, je ne vais jamais vous dire mon histoire assez. Je ne vais jamais me fatiguer de vous donner mon histoire. Parce que quand vous me regardez ici là, je vous dis encore, ça va percer vos yeux, votre jalousie. Remontez sur ma page Facebook, TikTok, là je viens de créer TikTok.
C'est lui qui demandait mon numéro, pas dans ma, sur ma description de mon profil. Tu vas voir le lien pour mon WhatsApp. Allez dans mes vidéos d'avant. Vous voyez, quand j'ai commencé à parler ce que je parle, mon langage n'a jamais changé. 2016, 2017, 2018, 2019, seulement que je n'avais personne qui me regardait. 2020, 2021, c'est en 2022. Quelqu'un va venir, va voir. Et pourquoi? Pourquoi? Ma chère, mon cher. Quand ça a commencé, ma part avec Dieu, là, ça a commencé en 2013. En 2013 que Dieu m'a appelé. C'est que les dons que j'ai aujourd'hui, là, c'est depuis 2013 que Dieu m'a dit que tu vas guérir les gens. Tu vas faire ceci. Et vous pensez que quand il m'a dit ça comme ça, le lendemain, les gens, j'ai prié que comme ça, quelqu'un est guéri. Non, dès qu'il m'a donné la parole, les problèmes ont commencé. J'ai perdu mes papiers. J'ai été mère célibataire. Je n'avais pas d'argent. L'une des personnes les plus pauvres de mon église. Je vous dis souvent dans mes vidéos que j'avais deux habits. On connaissait que si elle n'est pas venue avec l'habit vert, elle est venue avec l'habit noir. Tous les dimanches et les mercredis. Même les prières de vendredi. Ce n'est pas que je n'avais pas l'argent tant que ça. Hein. Mais mon argent, je l'économisais. Je partais, je faisais un truc. Je vous ai dit qu'à un moment, j'économisais pour pouvoir prendre les, louer les maisons et les relais sous-louer. J'avais une petite fille de 26 ans qui a dit que elle a deux maisons ou trois maisons. Je dis, mais tu es petite comme ça, là, tu as ça. Parce qu'elle mettait mes yeux, tu vas me faire 500 pounds mis de côté. Après 900, après 1000 pounds. Je prends les 1000 pounds. Je loue la maison d'abord. Je prends la marchandise, les lits. J'achète les lits en ligne. Je meuble la maison. Je peins les murs moi-même. Un jour, j'ai payé un monsieur. Je prenais jamais, quand je prenais une maison de 5 chambres comme ça. À l'époque, je n'avais pas l'argent pour payer les ouvriers. Donc, je me rappelle, il y avait le parquet. Dans la maison, là, il n'y avait pas le parquet. Et le monsieur, là, j'avais trouvé un Jamaïcain en Angleterre qui pouvait me mettre le parquet à 150 pounds. Et le parquet, même, tu pouvais l'acheter pour une chambre de 16 mètres carrés. Tu peux acheter le parquet même de... Je ne sais pas combien, je sais carrément oublié les prix. C'était les tours de 2014, comme ça. Donc, je l'ai appelé pour la première chambre. J'ai acheté le bois. Il dit que je vais aussi voir comment on met le paquet ici. Je suis allé en ligne, j'ai vu, je n'arrivais pas. Professeur YouTube, le temps-là ne pouvait pas m'aider. Je regarde comment il fait la première chambre. Il a pris peut-être 1h30 pour faire le paquet. Je suis parti acheter les mêmes outils. Je voulais faire la deuxième chambre. J'ai passé 8 heures de temps. J'ai scié. Parce qu'il y a une façon de mettre là, tu devais faire que ça clique ensemble, ça s'enclenche ensemble. Ça s'enclenche, clic, clic, clic. Tu mets après, tu utilises avec le marteau, tu tapes, tac, 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 ça rentre dedans jusqu'à ça. Quand il finit la chambre, là. Non, c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai appris à payer les gens. Qu'ils fassent certaines choses et que j'ai commencé à valoriser mon temps. Parce que je me suis dit que si je passe 8 heures de temps ou 9 heures pour faire quelque chose, alors que j'aurais pu payer quelqu'un 150 pounds. Avec les 150 pounds là, je peux aller développer ma tête. Je conseille les gens. Et pour conseiller les gens, il faut que j'ai de la substance dans ma tête. Donc au début, je n'étais pas connue pour directement, je lisais beaucoup de livres. Je lisais beaucoup, je lis. Je viens, je retranscris ce que j'ai lu. Je lis en anglais, je viens de dire en français. Et quand je donne comme ça le contenu, ça augmente ma sagesse. Et crois-moi, si tu lis 10 livres,
et une autre personne a lu zéro livre. Tu as déjà quelque chose que tu connais de plus que la personne. Maintenant, tu as choisi les bons domaines. Les livres doivent être dans le bon domaine. Il y en a parmi vous, vous avez ça dans le temps, peut-être dans l'alimentation, coach en nutrition. Ça peut être coach en développement personnel. Dans le développement personnel, il y a plusieurs allées, il y a plusieurs voies. Tu peux être, peut-être, tu coaches les gens pour qu'ils économisent leur temps. Gestion de temps. Tu peux être coach pour le temps. Coach en mission de vie. Miles Monroe, tu l'écoutes tout le temps. Miles Monroe va beaucoup t'aider dans ce sens-là. Si tu lis seulement 4 livres de Miles Monroe, 4. Tu peux aller coacher, tu peux lancer ton business coaching en mission de vie. Pardon. Coach financier. Coach d'entrepreneur. On dit coach, c'est pas seulement ça. Coach spirituel. Et sur le chemin, vous allez rencontrer des gens. Parfois, tu es dans ton ascension. Je me rappelle à une époque, j'ai connu un monsieur. C'était l'une des personnes les plus riches que je connaissais à l'époque. Et la personne m'avait tellement sous-estimé. Si bien que la personne ne pensait pas que moi aussi, je peux avoir l'argent. Parce que la personne m'avait rencontré. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas été à l'école, tu n'as pas fini vraiment, tu n'as pas dit que tu as la maîtrise ou bien le doctorat. Mais moi, j'ai fini ma comptabilité, j'ai fait l'expert comptabilité et tout ça là. Mon salaire, c'est 5 000 pounds le mois. 5 000 pounds. Maintenant, j'avais remarqué que quand je venais avec des rêves très grands et que je faisais l'erreur de parler de mes rêves à cette personne, la personne me bloquait. Mais non, pourquoi tu veux acheter le genre de voiture là? Pourquoi tu veux la Mercedes qui est comme pour moi? Alors tu veux y te comparer à moi? Moi, je touche 5000 euros le mois. Hein. Toi, tu devais plutôt pas prendre une petite Yaris là, non? Va prendre la petite Yaris. Donc, ça, c'était un complexe que j'ai beaucoup eu à une époque de ma vie. Et j'ai dû beaucoup prier pour briser cette influence. Si la personne va te regarder, ah, attends, tu vends maintenant plutôt les croquettes. Ok. Ah, tu vends les mèches. Ok. La meilleure revanche, c'est que tu aies des stratégies. Et ces personnes qui sont dans le conventionnel ne savent pas que le monde est en train de changer. Il y a l'argent sur les réseaux sociaux. Il y a l'argent en ligne. Moi, je suis docteur, je suis cardiologue. Voilà, les cardiologues qu'avant, tu venais impressionner quelqu'un avec 7 000 euros le mois. Il y a les entrepreneurs qu'à la maison, ils se font 10, 15 000 euros le mois. Ne laissez pas. Bonjour Tonko. Ne laissez pas ces personnes avec leur petite vision venir vous bloquer. Je me demande si Brenda Bia, c'est ma soeur. Notre président Paul Bia avait trompé sa femme avec ma mère. Ouais. Je crois que ma mère avait couché avec le président. Ouais. Peut-être c'est pour ça que je ressemble à Brenda Bia. Parce que ma mère était métisse. Si elle était encore vivante, tu pouvais lui demander. Tu as compris. Les œufs miroirs, c'est la prospérité. Quand tu en vois beaucoup, l'argent qui est en train d'arriver. La clé, c'est que quand tu reçois ton premier argent,
premier argent tombe dans ta main. Investis-le. Deuxième argent tombe, comme tu as investi là, le fruit de ça. Ne mange pas. Ça, ce sont tes enfants là-bas. Plante encore les enfants. Les petits-enfants vont naître. Tu prends les petits-enfants, devinez, tu fais quoi d'eux? Tu plantes, voilà. Et vous devez avoir plus d'une source de revenus. L'argent doit venir. Tu dois avoir plusieurs degrés d'argent. L'argent qui tombe dans ta main chaque jour, l'argent qui tombe chaque semaine, l'argent qui tombe chaque mois. Donc, tu prends le premier business que tu connais, c'est faire l'élevage. Comment c'est l'élevage? Ta première portée, le bénéfice que tu te fais dessus, tu peux lancer une petite restauration quelque part. Ce qui fait que tu as l'élevage et la restauration maintenant. Tu prends un peu de temps maintenant pour bien développer ça. Tu mets bien l'huile dessus, que ça glisse bien. L'argent que ça donne, tu remets encore dedans. L'argent que ça donne, tu remets encore dedans. Tu augmentes les ports. Au lieu d'avoir 5 ports, tu as 15 ports. Tu remets encore l'argent là-dedans. Quand ça intéresse une certaine stabilité, le bénéfice de ça, tu peux ouvrir un troisième business. Si tu investis, on t'a trompé. Tu es la première personne qu'on trompe. Tu vois les gens qui ont les grands immeubles là. Si la personne te dit combien de fois il a perdu l'argent, si tu te dis même les sommes qu'il a perdu, tu vas fuir. Tu vas te dire que j'ai perdu 20 millions l'autre jour. Et voilà, j'ai mon tour de 4 millions qui est tombé. J'ai mon tour là qui est tombé. Un de mes chauffeurs a pris ma marchandise de 10 millions, il a fui avec. Il est parti dilapider, il me dit qu'on l'a braqué en route alors que c'est lui qui a pris. Tu vois que tu as perdu l'argent. Le business, mon frère, il faut avoir le cœur du lion. Il faut prendre le risque. Parce qu'on vous a. Il y a un mensonge là qui est dans la tête des gens qui ont peur de se lancer. Tu sais, quand tu fais le business, tu ne dois jamais perdre de l'argent. Tu ne dois jamais glisser. Non, ça doit toujours bien marcher. Les personnes que vous regardez, sortez là, vous regardez les immeubles dans votre quartier. Demande à voir le bailleur qui a conçu l'immeuble là. Il va te dire combien de fois les employés, sur le chantier, combien de fois on a volé ces choses. Il va te dire combien de personnes sont venues voler les choses là-bas. Ça a empêché qu'ils finissent l'immeuble. Parce que vos parents vous ont trop doloté dans l'enfance. Moi, ma mère s'en foutait. Elle te laisse à vos quartiers, elle peut au bar, elle vend sa boisson. Ma mère m'a un peu habituée avec l'argent. J'étais habituée à avoir l'argent très tôt. Ma mère rentre le soir comme ça, elle avait généralement la recette de la journée. Beaucoup d'argent dans sa main comme ça. Là. Elle avait une petite boîte où elle mettait toutes les pièces de 500. Il n'y avait pas les 100 francs dans notre maison. 500. Donc, et moi, je n'étais même pas une voleuse. Je n'étais pas un enfant qui vole vraiment. Elle était très droite. Quand elle sortait, souvent, elle me laissait au bar de vente. Elle était droite. Ma mère avait la vente emportée. À Tunga, qui connaît, à Bafoussa. C'est plus tard que j'ai compris la façon de fonctionner de ma mère dans le business. Elle vendait la boisson, elle cuisinait. Tu vois, elle se lève tôt.
Elle fait la nourriture. Après, il y a la boisson. Donc, parce que tu vas venir manger, tu vas sûrement boire. Si tu viens boire, tu peux avoir faim. Après, elle va prendre l'argent encore, investir. Elle avait une cabine téléphonique à un moment. Après, elle a pris la couture. Dans ton en ville, ton en ville. Mais l'ancien marché des chèvres là. Ce que les principes que je vous enseigne, ce sont des choses qui sont aussi vieilles que le monde. Ce n'est pas parce que tu es arrivé en Europe que tu as oublié tout ce que tu connaissais du business en Afrique. C'est quand je suis arrivé en Afrique que mon instinct de business s'est vraiment réveillé. Parce qu'en Europe, quand tu es en Europe, tout ce qu'on a pour toi comme vision, tout ce qu'on voit pour toi et qu'on te dit, cherche à avoir le CDI. CDI me voit. Non, arrêtez ça, Bondi. Idée de business, vous aimez trop ça. Je ne fais pas partie des TikTokers qui m'ont dit que 5 idées business pour les, à moins de 20 euros. Je ne vais pas dire. Est-ce que vous allez venir prendre les idées là, vous n'avez rien fait avec. Chaque jour qu'elle parle ici, là, vous allez commencer quoi depuis qu'elle parle? Vous n'avez même pas besoin des idées des autres personnes parce que Dieu vous montre déjà vos idées. Vous avez déjà les idées. Mais vous ne voulez pas agir dessus. Et moi, je n'aime pas la tautologie. Je n'aime pas qu'on fait la gourmandise. Dieu t'a donné une idée, tu n'as pas agi dessus. Pourquoi tu veux encore? Ma chérie, je connais ce que CDI veut dire. Ne pense pas que... J'ai tapé 13 ans à l'étranger. J'ai fait 4 pays. Trois pays. Visiter plein d'autres. Donc, je sais très bien ce que CDI veut dire, ma chérie. Très bien. Mais c'est quand je suis venu en Afrique que j'ai appris les règles du succès. Venez voir, étudiez bien vos oncles qui ont l'argent là. Parce que quand vous pensez que quand vous arrivez en Europe, voilà, je suis arrivé en Europe, je connais déjà. Hein? Non. Tout ce qu'on veut te faire maintenant, tout ce qu'on veut quand tu arrives là-bas, cherche seulement ton petit travail. Dès qu'on te signe un contrat. Parfois, ils vous disent, venez au pays voir comment les gens mangent l'argent. Venez au pays voir. Tu vas voir quelqu'un va se lever là. Il va dépenser 500 000 aujourd'hui. Converti en euros, tu dis, ah, ça c'est 700 euros non. Jesus. 800 euros même. 2-3 jours plus tard, 300 000, 200 000, 400 000. Tu restes un mois avec la personne. Toi en Europe, tu es dans ton... Et le truc, c'est que le système européen te bloque de telle façon que tu ne penses même pas que tu peux aller chercher l'argent ailleurs, que tu peux créer quelque chose, que tu peux acheter quelque chose, tu vends. Te voilà. Tu es dans 2000 euros le mois. Tu stresses les cheveux, tu as les cheveux blancs. Fin du mois comme ça, là, tu vois l'argent qui dépense, loyer, facture, taxes, impôts. 2000 euros dans ton compte comme ça là. D'ici le 9 ou le 10 du mois, tu as 300 euros dans le compte. Merci, divine lumière. Tu viens en Afrique, surtout au Cameroun. Hein? Quand il vient d'arriver au Cameroun, je regarde. J'ai un ami là, le premier mois que je suis arrivé, il me dit, ici au Cameroun, tout le monde a au moins deux choses qui donnent l'argent. Je reste la première semaine. Chaque jour, je vois, madame, il faut acheter ça. Il faut ça.
Dépense, dépense, dépense. Et tu dis, hey. Même si tu viens de même, que tu as économisé l'argent pour passer des vacances, tu ne vas pas passer un mois comme ça. Il y a un rythme de vie que tu ne peux pas avoir. Vous savez que beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas rester au meublé pendant un mois, non. 50 000 par jour. Pendant 10 jours, ça fait combien? 500 000. 30 jours. 1 million 5. Maintenant, il faut manger chaque jour alors. Tu n'as pas la voiture, il faut louer la voiture. Ce n'est pas le qui veut. Hein. Je me rends donc compte que tu vois la petite maman là au carrefour, là, au quartier. Elle met ses quelques tomates, haricots verts, condiments. Tu t'assois là-bas dans une heure de temps, tu vois comment les gens achètent. Tu vois que la femme s'est au moins fait la recette de 30 000 aujourd'hui. Quelqu'un vient, il prend, tac, il donne 500. Deux secondes plus tard, l'autre vient, tac. Tu vois, elle vend les tomates comme ça, elle a la boutique à côté. Elle vend le pain, le lait, les œufs, les brosses à dents, les pâtes dentifrice. Tu observes. Après, tu vois l'autre. Le soir, elle n'a pas fait le poisson braisé. Après, tu vois l'autre. Tu te rends compte que chacune de ces femmes-là, elle va te dire qu'elle rentre le soir au moins avec 10 000 qu'elle a mis dans sa poche. Dix mille fois 25 jours, si elle ne travaille pas les dimanches, elle fait 250 000. Elle a peut-être une tontine où elle sait que chaque semaine, elle met peut-être 25 000 ou 30 000. Après, tu vas la voir, elle va te dire, j'ai acheté mon petit terrain là-bas à lundi. Mais tu vends les tomates, non? Comment tu achètes le terrain? Le système. Toi, tu es en Europe là-bas, tu attends d'avoir 15 000 euros pour aller acheter le terrain au pays. C'est votre tête. On s'en a sucé votre cervelle. Vous n'avez pas les idées. Vous n'avez pas les idées. Comme je vous parle là, vous avez l'argent, vous avez un peu d'argent, non? Très peu de personnes vont réfléchir comme je t'ai dit là. Vous savez que le mois prochain, vous allez encore souffrir. Le mois d'après, vous allez encore souffrir. Moi, quand je vois quelqu'un qui aime la bêtise, moi, je dis, ok, tu veux devenir bête, sois bête. Si tu veux devenir pauvre, sois pauvre. Sois pauvre, hein, c'est un choix. C'est un choix, tu l'as bien fait ton choix. Vous avez rejeté le savoir. Vous allez souffrir. Et ne cherche pas à impressionner les gens quand tu te cherches. Quand tu te cherches, tu ne cherches pas à impressionner les gens. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez, ça va arranger vos pensées. Vous n'allez plus manger là, le bénéfice de votre business. Vous allez économiser. Et ce qui est bien quand tu économises, dans le processus d'économie, tu as une tontine que tu bouffes tous les 6 mois. Dans le processus d'économie, ton esprit commence à chercher ce que tu vas faire avec l'argent là quand tu vas prendre. Supposons que tu as une tontine que tu prends 12 millions l'année. Tu as une autre tontine que tu prends. Moi j'aime les grosses tontines. Pas les trucs que tu prends là. Tu bouffes la tontine, 1 million c'est quoi? Tu étais dans une petite tontine comme ça non? Ils m'ont même fait chier un moment. Ils disent que pardon, arrêtez vos bêtises là. 1 million c'est quoi? Pendant que tu est en train d'économiser, tes idées maintenant sont en train de réfléchir. Je commence à voir ça. Ça te donne plus d'opportunités. Parce qu'il y a d'autres personnes parmi vous que
Il y a certaines sommes que vous n'avez encore jamais tenues dans vos mains. Puisqu'on a dit que c'est pour toi. On ne t'a jamais dit que prends, voilà 12 millions. Cash. En un an, tu peux toucher 12 millions. Chaque mois, 1 million, tu dépenses 1 million. Mais tu portes 12 millions comme ça, là, tac. Oh là là. Oh là 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 là, tu te sens différent. Oh, tchou 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 tchou. Il y a une notion là qui vient sur toi. Un autre level. Et ça vient avec la discipline, la planification. Bon. Je veux simplifier la richesse pour vous. Ce n'est pas dur d'être riche. C'est la chose la plus facile. Et c'est parce que c'est facile que les gens n'y arrivent pas. Tu vas juste tuer ton ego. Tu n'essaies pas d'impressionner quelqu'un. Oui. I'm not trying to impress you, girl. I'm not trying. Oui. Il y a des gens qui me voient souvent comme ça. Quand ils arrivent dans un de mes bureaux, ils voient le nombre d'employés que j'ai. J'arrive, madame, bonjour, madame, madame, madame. C'est toi qui as tout l'endroit ici. Madame, madame, madame. Oui, moi voici un t-shirt. Moi voici un t-shirt. Pour que ton agent entre, première chose, n'essaie pas d'impressionner quelqu'un. Tu vas très vite tomber. Parce que les gens vont essayer. Oh, maintenant que tu as un peu, il faut quand même que tu regarde ton niveau. Tu dois élever ton niveau de vie. Mais toi, mais quand même, regarde, tu dois. Hein? 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 Attendez-moi bien. Puis va. Go sort. Go sort. Tant que tu ne tues pas ça en toi. Boubou, c'est quoi ça sur toi? Et tu vas voir que c'est quand ces personnes vont venir. Mais voilà, regarde, avec tout ce que tu as maintenant, tu devrais déjà commencer à faire ça. Non. Ce qui est bien avec l'argent, c'est que quand tu commences à multiplier ton argent, tu veux encore le multiplier. Ça, c'est un truc. Ça, c'est... Mais c'est mon petit. C'est it's funny. Plus j'ai, plus je veux investir pour avoir encore. Donc, tu as mis la première règle, n'essaie pas d'impressionner quelqu'un. Deuxième règle, tu dois avoir un plan. Tu dois avoir un plan. Je commence avec le folie récit. Folie de luxe. Tu vas voir, on te fait des belles étiquettes à 200 francs l'étiquette. Non, 100 francs l'étiquette. Les belles étiquettes qui brillent noires là. Les boîtes. Tu prends les boîtes, tu les achètes peut-être à 150 ou 100 francs. C'est les chinois là. Je crois que c'est 100 francs la boîte et 50 le couvercle, un truc comme ça. Donc, ton emballage peut te coûter 300 francs maximum. Tu peux vendre ta bouteille de fouleré facilement à 7 ans. Et tu mets vraiment le. Tu vois, tu pars en ligne, tu regardes les recettes de fouleré. Tu regardes, tu regardes. Tu développes ta part de recettes que c'est particulier. Tu mets un peu de gingembre. Du gingembre caramélisé. Un peu de vanille qui vient du Pakistan. Je sais pas, des trucs. Tu fais même plus au goût de fouleré. Foléré à la vanille. Foléré à l'ananas et au gingembre. Foléré à la fraise. Bon. Foléré au miel. Voilà tes gammes de foléré déjà. Hein. Eh Seigneur, l'argent est facile. Oh. L'argent est facile. Ah oh, Seigneur. Règle numéro 3, il ne faut pas chercher à commencer trop haut. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Commence
là où tu es avec ce que tu as. Ça va faire que, oh, j'attends que mon oncle a dit que dans 6 mois, il va me sponsoriser. On est en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça veut dire que c'est mars l'année prochaine que tu vas commencer. Tu sais ce que, comment tu peux développer 50 000 en 6 mois? Tu sais comment tu peux développer 50 000 en 6 mois? Prenons seulement 20 000. Tu lances le foulé reggae, viens dire là. À Jean-Raphaël, tu peux faire les étiquettes. Tu vois le gars, tu lui donnes même 2 000, il te conçoit l'étiquette. Ou tu peux toi-même en ligne sur canva.com. Tu payes la connexion à 500. Tu t'assois sur Canva, tu conçois ton étiquette toi-même. Mais bon, va donner 2 000 au gars, il te conçoit l'étiquette. Il t'imprime 1 mètre carré d'étiquette sur le vinyle. 1 mètre carré à 2500 ou 3000 maximum. Donc tu viens de dépenser 5000 francs et 500 de taxi. 5500 sur tes 20 000, c'est déjà parti. Tu mets encore la connexion de 500 sur ton téléphone. Tu pars en ligne, tu cherches les recettes de foulerie sur YouTube. D'autres recettes. Tu regardes, tu notes. Tu achètes les boîtes. Supposons que tu commences avec 20 boîtes et une boîte te coûte 300. Ça veut dire que 10 boîtes, c'est 3000. Ça veut dire que 20 boîtes, c'est combien? 6000. Le taxi pour aller chercher les boîtes, là, c'était 500. On est maintenant à 6000 plus 6500. Ça fait 12500. On n'a pas encore acheté la marchandise. Si tu as les boîtes, tu as les étiquettes, tu as la bonne recette. Achète maintenant le foulée même de 2000. C'est même beaucoup. Achète le sucre, les arômes. Tu peux dire foulée naturelle parce que je me suis rendu compte qu'au Cameroun, ils font beaucoup le foulée avec les arômes maintenant. Trop d'arômes artificiels, trop. Tu peux mettre que foulée bio à base de produits naturels 100%. 100%. 100%. Oh, maman, c'est parce que je n'ai pas le temps souvent. Hein. Parce que je n'ai pas le temps. Ce qui est la qualité de business que je fais. Parce que dans le business, les gens aiment tout ce qui est spécial, tout ce qui est naturel. On aime payer le naturel plus cher. Le sucre, vous savez que le sucre, tu peux avoir quelqu'un qui vend les ananas là, au Carrefour. Tu lui demandes les pots de ces ananas. Il ne va pas te demander l'argent pour ça. Bon, comme tu es gentil, tu donnes 500. Parce que ça va quand même t'aider dans ton business. Donc il faut quand même motiver la personne. Comme ça, toutes ces peaux d'ananas, là, il va te donner chaque fois. Il va te garder. Tu auras les meilleures peaux d'ananas de toute la ville. Tu payes le gaz. C'est le gaz de ta soeur. Tu vis chez ta soeur. Donc, tu donnes même 3000. Que bon, voilà. C'est quand même pour te motiver. Ce qui fait que pour les 2 prochaines semaines, tu peux bouillir ton foulée sur son gaz. Quand vous utilisez quelque chose de quelqu'un pour faire votre business, rémunérez la personne. Ne cherchez pas à vous faire l'argent seul. Tu dis son gaz le premier jour, tu vends, elle ne voit rien, tu ne lui donnes rien. Deuxième jour, tu lui envoies son gaz. Troisième jour, elle va commencer à te regarder mal. Et c'est naturel. Quand on ne peut pas aimer ses abonnés comme ça, Javine, je veux seulement que vous partiez faire, c'est tout. Même le foulé ici, même en Europe. Fais ça même à Paris. Ce qui est bien avec le jeu de Bissap, c'est que quand ça touche ta bouche, quand ça entre dans ta bouche là, tu exauces. Tu peux même prendre des petites boîtes pour les échantillons. Tu prends des petites boîtes comme ça. Je crois qu'au marché, tu peux trouver ça peut-être à 50. Donc quand tu déposes dans le magasin, tu déposes avec les boîtes d'échantillons. Quand les gens viennent, tu peux prendre vraiment, tu peux faire, on peut dire que ton argent peut partir vraiment sur les échantillons plutôt. Supposons que tu achètes les petits bols à 25. Tu emballes. Et tu précises au vendeur qu'il donne une boîte d'échantillons par personne. Peut-être même pour vendre, tu peux te balader dans le ministère de la culture, ministère des finances. Tu arrêtes dans ton sac. Tu marches dans les boutiques, dans les magasins là. Pardon, dans les bureaux. Manger du bon foléré. Bon, pour ceux qui sont diabétiques, j'ai fait ça avec les peaux d'ananas.
Je n'ai même pas mis de sang, sucre ajouté. Oh là là. Oh. Sans sucre ajouté. Oh. Ah. Tu as les gammes de foléré. Sans sucre ajouté. L'autre, tu mets le sucre. L'autre, tu fais avec le miel. Miel citron. Pardon, laissez, j'ai fini avec ça. Mais moi, quand j'étais au Cameroun, je vendais le foléré, ça passait vraiment. Je veux que vous amenez votre foléré à une autre dimension. Ne vends pas le foléré à 500 francs la bouteille, tu quittes tout ça. Je viens de parler d'un foléré que la boîte seulement te coûte déjà pour faire. Ça te coûte 400 francs. Et tu fais ça, tu fais tes cartes de visite. Tu prends quand même 5000 là. Tu fais, en Jean-Raphaël toujours, on te fait 100 cartes à 5000, je pense. Tu as la carte de visite que si vous avez vos événements, je peux vous faire du foléré. À ça maintenant, tu peux encore en ligne. Tu mets encore la connexion de 500. Tu regardes comment on fait le jus d'ananas. Après, tu regardes le jus de gingembre, le jus de baobab. Un jour, on voit, tu as ouvert la boutique de foléré. Toutes les saveurs de foléré. Tu as même l'usine de foléré. On fabrique les saveurs, les cancans saveurs de foléré. Tu fais le sirop de foléré. Tu fais le foléré, tu condenses vraiment. Quand quelqu'un reçoit, il prend la bouteille, il met un peu, il complète l'eau. Il complète. Sirop de foléré, tu vends la bouteille même à 3500. Moi maintenant, tu vas les vacances, tu cherches les enfants du quartier là. Tu leur dis que chaque bouteille de foléré que vous allez vendre à 800, je vous donne 100 francs. Au lieu de produire seulement 50 bouteilles que toi tu vas vendre seul, tu produis 300 bouteilles. Tu lances les petits dehors. Ils marchent, ils vont. Et vous calculez les grands endroits. Tu leur achètes les petits vestes là comme ça là. Tu les habilles bien comme les petits, les gens bien habillés là, bien beau. Tu cibles les gens dans des endroits comme les Cameco, à l'aéroport, des endroits bien, où les gens ont l'argent. Tu les envoies là-bas. Tu les formes même, mais comment parler aux clients? Bonjour monsieur, voilà, nous avons le foléré, voilà, je sais monsieur, peut-être, si vous avez le diabète, ou encore, si on vous avez, vous voulez perdre du poids, on a le foléré qui est même foléré sans sucre ajouté, pas de matière grasse. Voilà, monsieur, voici ça. Mais vous pouvez goûter, monsieur, allez-y. Tu vas voir que les gens vont vous commander. Tu peux même faire le foléré, un foléré allégé, c'est-à-dire ce n'est pas trop rouge. Parce que souvent, il y a le foléré que tu bois, après ta langue est rouge comme ça, là, c'est noir, ça énerve certaines personnes. Vous voyez comment j'ai pris seulement le business de la boisson avec 20 000 francs pour commencer. Donc on avait pris 20 000. On a fait 20 bouteilles de foléré. Et je rappelle que avec les 500 que tu as donné, quand tu achètes le premier fonds de commerce, là, quand tu achètes les premiers articles, certains articles vont te servir encore après. Comme les pots d'ananas, tu prends beaucoup de pots d'ananas. À 500, tu gardes le reste. Donc le prochain 20 000 que tu vas prendre, tu ne vas pas acheter les pots d'ananas. Tu vas pas payer le gaz de ta soeur. Et le foléré que tu auras acheté, peut-être c'est même trop pour la première fois. Donc tu avais gardé. Le sucre, peut-être tu as acheté beaucoup de sucre. Et le sucre là va te permettre de faire même 4 fois. Je veux que vous preniez votre business à une autre dimension. Parce que le foléré dont je vous parle ici, au Cameroun, les gens vendent ça à 100 francs la bouteille. Et vous avez vu que le foléré de 100 francs la bouteille, c'est basique en fait. Et quand il a mis le sucre, il a pris les arômes, tu bois. C'est sucré dans ta bouche, là. Mais après ça, c'est rien. Après, plus rien. Tu peux même ajouter les boissons, l'eau citronnée. Pour les femmes qui veulent perdre du poids. Concombre avec citron, je ne sais pas, vous connaissez les formules pour perdre le poids là, non. Tu fais même une partie où tu fais le thermos. Pas dans les bureaux avec le thermos. Après, tu leur proposes même de mettre une de tes vendeuses dehors là-bas. Avec 4 thermos.
veut faire du thé. Les pots d'ananas là, qu'on a fait bouillir. Quelqu'un arrive au bureau le matin, on lui sert ça chaud. De l'eau citronnée peut-être, ou bien du thé à l'ananas. Pour brûler les graisses. Vous êtes pauvre parce que vous n'avez pas pris une idée, vous ne l'avez pas développée. L'argent est parti. On ne jalouse pas quelqu'un qui fait son business. C'est pour ça que les gens sont jaloux de moi. J'ai dit, ah. Il y a tellement de business à dehors. Tellement. Tu as dit qu'il restait 2 millions. Donc, on a dépensé 18 000 francs. Supposons le premier poussif, on va produire 20 bouteilles de Folerie. 20. Et on a dépensé 18 000. On décide maintenant de vendre la bouteille à 700 ou 800. Ou même encore, celui qui va décider de vendre à 1000 francs, tu es en train de vouloir briser les barrières dans la tête des gens. Ce qui fait que t'es, il faut que tu aies la patience. Avant que je ne vienne mettre mes produits au prix que je vends là, vous savez que mes produits ne sont pas moins chers. Vous savez que mes produits ne sont pas moins chers. Au début, quand j'ai donné mes produits aux gens, ah mais c'est trop cher, qui va acheter ça? Ah c'est trop cher. J'avais une vision. J'avais une vision. Je ne veux pas être le genre de tradit praticien que tu viens chez moi, tu sautes sur les grenouilles, tu plonges tes pieds dans la boue. Non, ceux qui sont venus dans mon local, à Makepe, tu arrives à la guérite, il y a le vigile. Tu donnes ta carte d'identité, tu donnes ton nom, on te donne le badge. Tu entres. Tu t'assois, dès que tu arrives, entre, tu as la secrétaire devant toi. Tu commandes le produit que tu veux, tu t'assois. On commande dans la salle des produits. J'ai toujours eu depuis le départ une vision. Je connais là où je suis en train d'amener le business que je fais. Une autre personne m'a dit, pourquoi tu fais, pourquoi? Il faut bien que je paye les factures. Et il y a des personnes, il y a des gens qui, quand ils te voient vendre quelque chose, seulement l'emballage de ça leur fait que, moi je ne veux pas. C'est une bouteille Tanguy que tu ne connais pas qui avait utilisé la bouteille avant qu'on vienne encore mettre mon fleuret dedans. Moi je ne veux pas. Par contre, tu fais, tu as bien emballé. Tu as scellé. Tu as mis une belle étiquette dessus. Quand la personne touche ton produit comme ça, lui-même, ça lui fait plaisir. Les clients sont là dehors. Ils n'attendent que vous. Ils n'attendent que vous pour développer les produits. J'ai toujours dit qu'un jour, je vais même créer une marque de pain. Je vais vous faire une brioche de pain comme ça, là, à 5000. On vend le pain à 500 euros. Je vous assure, je vais vous vendre le pain là à 5000. Déjà le carton du pain là, mon frère, j'ai le design dans ma tête. Et on m'a écrit dessus, du pain pour... j'ai trouvé une formule. Quand tu reçois le carton comme ça là, tu tires, ça fait clic. Ça fait ça là. Et dès que tu ouvres comme ça, tu sens l'odeur du pain qui fait... Ah, oui, pas le genre de pain qu'on te donne à la boutique. On t'emballe dans le papier ci. Toi, le papier ciment, c'est là, non. Il te prend un peu le ciment, il tape comme ça là. Il enlève le ciment sur le papier. Ou bien il prend les feuilles de papier. C'est son devoir de l'année passée là. Les gens qui ont échoué à l'école. Les feuilles des interrogations, les dictées. Tu demandes, il déchire comme ça du quartier, il déchire. Chut. Il met les deux pains dedans, il te donne. Voilà, le pain de vie. Merci. Je peux mettre le nom là. Ça, c'est intéressant. L'emballage du pain, ça manque. J'ai même fabriqué ça avec 1000 francs. Oui. Ouais. Ezima et puis Grâce. Je vous assure, vous avez donné le même commentaire sur TikTok et sur Facebook. Ça, c'est un signe de Dieu. Moi, je te dis que je veux apporter les services pour les riches.
Parce que les riches mangent, les riches partent à l'hôpital, les riches partent chez les traditionnels, les riches boivent, les riches accouchent, les riches font l'amour. Donc le même service que tu apportes pour les pauvres là, les riches ont besoin de ça aussi. Nyanga Déco, je demande de partager mes enseignements, les gens ne partagent pas, tu veux quoi? Mais ne vous découragez pas, hein. Moi là, j'ai fait mes vidéos quand j'avais 2 vues. Je parlais comme je parle ici. Écoutez-moi bien, je connais là où je parle. Vous devez faire, je ne poursuis pas, voilà une règle du succès aussi, ne pas poursuivre la foule. Je peux faire ce direct. J'ai 3 clients de ce direct qui vont me donner chacun 1 million de francs CFA dans les 2-3 jours qui arrivent. Tu viens, tu vois ma vidéo, tu dis, ah, il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent. Je ne cherche pas la masse. Je cherche la crème de la crème. J'ai des riches personnes qui m'écoutent. Hein. Ne me voyez pas comme ça là. Il y a des gens qui ont des chiffres d'affaires, c'est dans les 500 millions de francs CFA. Par hasard, ils sont tombés sur mes vidéos. Par hasard. Et que je veux bosser avec toi. Quand tu commences ta chose, tu dois être sûr de là où tu pars. Ah, tu sais, j'ai lancé depuis, il n'y a que 3 personnes qui viennent. Peut-être que je dois laisser. Hein. Jamais. Je n'ai jamais eu peur de commencer quelque chose. Jamais. J'ai tout dit que moi, mes services, je vais apporter mes services pour les gens qui ont l'argent. Tu peux préparer le macabre râpé, tu vends aux gens. Tu vends à 1000 francs le plat. Moi, je prépare mon macabre râpé, je vends à 5000. Tu as décidé de... Et dans la ville, là, il y aura les pauvres qui vont aller manger le macabre râpé. Il y aura les riches qui vont manger le macabre râpé. Donc, je n'ai pas besoin forcément que... Et quand je fais mon macabre râpé à 5000 le plat ou 10000 le plat, ah, c'est que tu entres d'abord, ça sent bon là-bas. Il y a une belle musique. Tu as la manière de macabre râpé en écoutant le jazz. Le jazz. Fly me to the moon. Let me sing among the stars. Voilà ma chaîne qui me regarde. Je commence à chanter, soulève la tête pour me regarder. Oh, beautiful man. Tu laves tes mains avec le jazz. Tu laves les mains. Le jazz en train de jouer là. Tu fais comme ça là. Tu coupes ton foufou là-bas. Tu plantes, tu mets ça dans la sauce. Oui. Innovez. Venez avec les idées. Mettez les concepts. Vous faites trop les choses comme tout le monde. C'est pour ça que vos clients ne viennent pas. Tu ne peux pas le héros. J'ai eu cette vision là une fois, je suis allée dans un restaurant très chic en Angleterre. Tu t'assois, il y a des roses, on met des roses sur la table, il y a de la belle musique qui joue. C'était des Italiens qui sont venus en Angleterre. Le macabre râpé 5 étoiles. Ouais, Seigneur. Et on s'est rendu compte que la nourriture que les gens faisaient n'était pas... La particularité que ça avait, c'est que c'était... Le cadre, c'était comme une petite grotte qu'ils avaient fait dans une petite caverne. Donc, tu arrives, tu descends les escaliers, tu entres. Il n'y avait pas trop de lumière, il n'y avait pas trop de gens. Une belle petite musique là. Comment la pluie, oh, la pluie, oh. Et là, tu t'assois, tu commandes. C'est comme si on avait pris la mamie de maman Martha, la mamie du village là. Parce que le repas était... Cher, petit, mais il y avait un goût dedans. Il y avait un goût dedans. Il y a les gens qui ont beaucoup d'argent de nos jours, mais ils n'ont plus, ils ne peuvent plus aller s'asseoir dans les tourneaux d'eau avec tout le monde. Mais ils ont envie de manger le plantain fenu. Ils veulent manger le pilet. Et la personne ne peut pas aller s'asseoir dans un petit tourneau d'eau. On va mettre le pilier dans le plastique pour lui donner. Pilier de luxe.
Tu mets même le pilier dans l'assiette, ça fait les formes en forme de cœur. Tu lui dis que ça, c'est dans l'assiette en forme de cœur, comme ça, là. Le pilier de luxe, le luxe. Ça ne le gêne pas de te donner 5000 francs pour un petit plat de pilier. Il a l'argent. Il a l'argent. Vos gens ont l'argent. Voilà, vos gens ont l'argent. Ouais. Les gens ont l'argent. Et il y a les gens qui, quand ils veulent acheter quelque chose, ils ne veulent pas se mélanger à tout le monde. Vous-même, certains d'entre vous, vous êtes comme ça. Le pilier caviar. Hein. Tu arrives quelque part, tu veux bien acheter le couscous cuit, mais tu ne veux pas qu'on te mélange, tu ne veux pas qu'on te voie. Non, couscous cuit livré à domicile. Lancez-moi ce concept à Doha, là, vous allez voir. Donc, vous ne manquez pas d'idées. C'est juste que vous n'avez pas compris que vos idées sont la semence. C'est la réponse à tes prières de depuis. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu a tout donné les idées depuis. Blind me to the moon. Let me sing among the stars. Na 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 na. Jupiter the mountains. In other words. J'aime beaucoup Frank Sinatra. J'aime aussi Edith Piaf. Et puis Manu Dibango. Et Nina Simone. Nina Simone aussi chante bien. Nina Simone. Louis Armstrong. Lokua Kanza. Ça sont les musiques des riches là-bas. Divine. Bénis ton frère comme il est décédé. Et sois forte. La dernière règle du succès. Soyez obsédé par l'argent. Soyez obsédé par l'argent. Matin, midi, soir, money. Matin, midi, soir, l'argent. Qu'est-ce qu'elle peut faire comme de l'argent? Qu'est-ce qu'elle peut faire comme de l'argent? Ouais. Tant que tu n'es pas obsédé par quelque chose, tu ne peux pas. Certains amis, vous êtes obsédé par vos problèmes. C'est pour ça que vous parlez de vos problèmes à tout le monde que vous rencontrez. C'est pour ça que ce n'est que les problèmes que vous trouvez. Mais que les problèmes. Quand ta fille aime m'écouter, il faut donner de l'argent à cet enfant pour qu'elle commence aussi son business. Donnez l'argent à vos enfants, ils lancent leurs activités.
Fly me to the moon. Let me sing among the stars. Obsédé n'est pas excessif. Même ton gars doit savoir que tu aimes l'argent plus que tu ne l'aimes. Oui, on vend les savons de déblocage. 07, prends le numéro 0741 au Gabon. 0741 80 080. On a les savons de déblocage. Même les parfums de déblocage. Tu n'es pas, et être obsédé par l'argent, ça ne veut pas dire que tu passes ton temps au travail. Quand tu es obsédé par l'argent, tu vas travailler smart, travailler intelligemment. Comment je fais pour multiplier mon argent? C'est différent de ne pas bosser pour le monsieur, c'est pour qu'il me donne l'argent. Plus je vais faire d'heures, plus ça va me donner l'argent. Non. Le bon argent, moins tu fais d'heures, plus tu as de l'argent. Et quand il dit que ton gars doit savoir que tu aimes l'argent plus que tu ne l'aimes, ça ne veut pas dire que si un homme vient qui te donne plus d'argent, tu pars avec lui. Non. Il doit savoir que si la fille, c'est qu'elle se réveille, la priorité pour elle, c'est de voir comment elle va faire son argent. Bon, j'ai terminé pour la dose matinale. On va voir ce que vous allez produire comme argent. Le numéro du Gabon, c'est le 0741 80 080, 074 18 00 80. Donc 074 18 00 80. Et quand tu te lances à ton compte, il te faut développer la concentration pour ne pas tomber. Tu dois te concentrer. L'argent, c'est l'énergie. Tu te concentres sur l'énergie, ça augmente. Bon, je dois y aller. La pluie ne fait que augmenter ici, là, donc. Regardez. Il pleut. Beaucoup. Regardez, il pleut. Je suis au troisième étage. Et ne vous quitte pas. Il faut que vous partez pointer, non? J'ai donné les conseils. Allez pointer maintenant avec les conseils, sinon. Moi, je vais aller dormir. J'aime dormir quand il pleut. Ça a le goût, hein? Mais vous devez remplir d'abord vos tâches et vos objectifs avant de dormir quand il pleut. Parce que la pluie, c'est surtout la pluie de doigts là. La pluie de doigts là, c'est le rêve. Si tu veux dormir quand il pleut, tu vas dormir toute la journée.